direct. Ah, attention. Regardez ici des gens qui se connectent. Il faut couper le son, sinon on va avoir un écho. Alors, oui, ça y est. La réunion est diffusée maintenant en direct. Donc, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 5 avril. Ça, c'est pour que vous situiez dans le temps. Et je suis en présence de mon amie merveilleuse, Karine Barco. Bonjour à tous. D'accord, tu as le son, c'est parfait. Je ne sais pas si les gens me voient à l'écran, du coup. On va voir. On va voir. A priori, oui, on a des gens connectés. Je me cherche, je nous cherche. Ça y est, je vous ai. À l'écran, du coup. Alors, le problème, c'est que je vais couper le son parce qu'on a un petit décalage. Et ma difficulté, ça va être d'avoir les commentaires, mais je vais y arriver. Donc, Karine, ça fait un petit moment qu'on essaie de faire ce live parce que d'abord, tu es une praticienne de EFT. Aguerri depuis des années. Matrice, superviseur. Exactement. Auteur, tu as un livre qui est sorti il y a peu de temps. Tu participes très régulièrement au congrès virtuel EFT en tant qu'experte. Et tu viens de traverser la rivière. Tu viens de passer à la machine à laver du corona. Et donc, j'avais à cœur de t'inviter sur ce live pour que tu nous peut-être partages ton histoire, ce que tu as vécu, l'état émotionnel dans lequel tu as été, ce qui a été une aide pour toi, tout ce que tu as mis en place, etc., etc. Oui, je te remercie pour ton invitation et je suis heureuse de partager parce que je pense que ça peut apaiser beaucoup de personnes de connaître un peu le processus, en tous les cas, que moi j'ai traversé. Bien sûr, comme chaque personne est différente, ça va de personnes qui sont porteurs sans avoir de symptômes à des personnes qui en décèdent. Donc, chaque personne est différente et je ne prétends pas être la norme, mais je pense que ce que j'ai traversé est assez similaire à ce que la plupart des gens traversent. Donc, du coup, déjà pour rassurer tout le monde, je suis vivante, je suis en pleine forme. Donc là, ça fera 3 semaines, ben, ça fera 3 semaines ce soir, demain matin, et pleine d'énergie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Peut-être, Noël, je partage un petit peu comment ça s'est développé, comment ça s'est passé. Oui. Pour moi, ça a été vraiment en deux temps. Donc, il y a 3 semaines, le dimanche, j'animais déjà des lives avec des praticiens pour leur apprendre à faire leurs séances en ligne, puisque moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Et j'aidais des amis qui voulaient passer leur formation en présentiel en ligne, qui n'avaient pas l'habitude de Zoom. Et j'ai commencé à me sentir fatiguée. Et j'ai pensé que c'était juste la surcharge de travail. Le lundi matin, c'était un peu pire. À tel point que je n'avais pas fini de faire mon ménage, du coup, ayant travaillé le week-end, et j'ai tout fait en me disant, bon, si je tombe malade, ce sera nickel. Et effectivement, en 1 heure, je suis passée à 38, et en 2 heures, j'étais à 39. Et donc, il y a eu une phase très violente, on va dire, quand même, de 5 jours, Oui. où j'ai eu beaucoup de fièvre. Et mon médecin avait été très, très clair. Il m'avait dit, laissez la fièvre tant que c'est supportable. Si c'est insupportable, prenez du paracétamol. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne prenais du paracétamol finalement que le soir pour pouvoir dormir. Et en journée, je fluctuais autour de 38,8, 39. Ouais, donc l'idée, c'est pas de faire tomber la fièvre, c'est au contraire de laisser la fièvre faire son travail. Et si ça devient trop difficile et trop dur, à ce moment-là, on peut la faire baisser un peu. L'idée, Un c'est peu, d'avoir. effectivement, il m'avait dit de surtout ne pas descendre au-dessous de 38. C'est ça. Et De ça, laisser vraiment faire voilà. Et son œuvre. j'ai cru, enfin, en tout cas, j'ai compris que ça pouvait basculer vite parce qu'il m'avait dit aussi, si tout d'un coup vous deviez avoir des quintes de toux trop fortes ou des difficultés respiratoires, tout de suite aller aux urgences ou appeler le SAMU. Donc voilà ses instructions.
Les symptômes que j'ai eus dans cette première phase de 5 jours, c'était donc énormément de fièvre, mais à tel point que la tête était comme dans un étau, j'avais les yeux en feu, les extrémités très froides, donc quelque part j'avais une bouillotte sur moi pour garder mes mains chaudes, la toux un peu sèche, pas trop. Un rythme respiratoire très rapide, comme si j'haletais, avec une respiration peu profonde, un essoufflement très rapide. J'ai des escaliers chez moi, donc dès que je montais les escaliers, je me sentais fatiguée. Une grosse fatigue et la douleur liée à la fièvre, mais j'avais choisi de la laisser monter, était telle, et tu as été une de mes accompagnatrices, tu as été ma personne ressource pour être sûre que je ne tombe pas dans les pommes, j'en pleurais. Et je pleurais de douleur, mais je pense que c'était la fièvre. Et après, ça... Et par rapport à ça, je vais juste rajouter quelque chose, c'est que, donc moi je suis confinée à Paris, toi tu es du côté de, tu es dans le Béarn, tu es à Salis. Et donc, en tant qu'accompagnateur, on est dans l'impuissance la plus parfaite parce qu'on ne peut juste rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est accueillir ce qui se passe chez l'autre, ne pas avoir peur de ça. Et donc, moi, quand j'étais au téléphone et que tu étais en larmes, à aucun moment je t'ai dit « arrête de pleurer ». Au contraire, je t'ai vraiment dit « vas-y, libère, lâche, dis-moi ce que tu vis ». Tu vois, je t'ai encouragée plutôt à parler. Ouais. Ou à ne pas parler si tu n'avais pas envie. Ouais, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être... Même plus la force de parler. Oui, c'est juste d'être en présence, bien ancré, et d'être présent pour l'autre. Présent pour l'autre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tu m'avais envoyé le numéro de téléphone de ton médecin, le numéro de téléphone de ta voisine. Ma voisine qui a les clés. Qui a les clés de chez toi. Et je prenais garde lorsque je fermais le soir à ne pas laisser ma clé pour que n'importe qui puisse venir, enfin la personne qui avait la clé puisse venir. Puisse venir. Et du coup, on avait un code entre nous, c'est-à-dire que si je t'envoyais un SMS, tu me répondais. Que je me mettais aussi dans la patience de recevoir ce SMS parce que tu faisais des siestes, tu dormais, tu... Mais voilà, il y avait un code que si vraiment j'avais plus de nouvelles, à un moment donné, j'appelais ta voisine pour venir voir ce qui se passait chez toi. Et je te donnais donc, en fait tous les matins, tous les soirs, quand même, je validais que j'étais bien en vie. Que ça allait, bien sûr. Il y a eu 2 jours où je n'ai pas pu manger. Alors, il y avait des nausées. J'ai eu 2 jours où je n'ai pas pu manger ou boire. Et j'ai suivi mon instinct et laissé faire. Et par la suite, j'ai pu lire des études que le jeûne sec, donc c'était un jeûne sec, finalement booste énormément le système immunitaire. Et bon, j'ai quand même perdu 2 kilos en une semaine et je ne suis pas très grosse, enfin en 5 jours. Et un soir, lorsque les douleurs de poitrine, donc c'était à peu près à ce niveau-là, derrière, comme si littéralement les poumons étaient en train de disparaître, ça a été tellement intense que j'ai pris peur et surtout, je me suis rappelée que j'avais eu une tuberculose, donc j'ai déjà des poumons un peu troués. Là, j'ai appelé le SAMU et j'ai vu qu'ils paniquaient un peu. Ils m'ont dit de prendre du paracétamol et si ça ne passait pas dans le quart d'heure, effectivement, de m'appeler. Mais le fait de leur parler m'a rassurée, le fait de prendre le paracétamol m'a aussi calmé la fièvre, les douleurs. Et donc là, ça a passé. J'ai pas eu à... Je les ai rappelés. Ils m'avaient demandé de les rappeler, mais je n'ai pas eu à partir de chez moi. Moi, je t'avais eu au téléphone, justement, et tu me racontais ça. Et donc, tu m'as dit, je les appelle. Puis après, tu m'as rappelé. Tu m'as dit, on attend 20 minutes. On regarde comment ça se passe. Puis tu les avais rappelés eux, ils t'avaient dit c'est bon, tu restes chez toi. Et tu m'avais juste envoyé un SMS en me disant c'est bon, je vais me coucher, je vais me reposer. Oui, et donc après. C'est important ouais, de rester en lien. Après ces 5 jours, du jour au lendemain, plus de fièvre, plus de douleur, très peu de toux, très peu de douleur, seulement quand je tirais un peu. Et je pensais être guérie. Je me suis dit, en toute humilité, waouh, j'ai un super système immunitaire, en 5 jours, j'ai viré le truc. Pas du tout. Et là, il y a eu 8-9 jours de fatigue extrême. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais connu. Pourtant, j'ai failli mourir plusieurs fois. J'ai été alitée à plusieurs reprises. Quelque chose d'indéfinissable à tel point que je me suis questionnée, je me suis demandé si je déprimais. Parce qu'il y avait cette énorme fatigue et quelque chose d'indéfinissable. Mais je pense que c'était cette deuxième phase
plus lente, mais qui peut être dangereuse. Et là, j'ai vraiment appris à être à mon rythme et encore une fois, m'allonger quand j'avais besoin, pleurer quand j'avais besoin. Et dans toute cette période de 15 jours, je n'ai vraiment pas eu, il faut quand même le dire, la force de tapoter. En revanche, j'ai écouté des méditations guidées de relaxation qui m'ont aidée. Les doigts? J'avais vraiment pas la force. Okay. Quand ça a commencé à aller mieux, tu l'as partagé, je crois, sur ce forum, j'ai commencé à faire la respiration claviculaire. Oui. Et là, j'ai repris mes séances de thérapie, puisque moi-même, étant thérapeute, je suis en thérapie, et j'ai commencé aussi à processer en EFT, en réencodage de matrice, toutes les techniques qu'on peut utiliser. Et donc, j'ai repris cette semaine lundi. Lundi, mardi, ça a été un peu rude parce que j'ai dû m'allonger à nouveau. J'avais quand même des grosses pointes de fatigue. Et vendredi, ça a été le premier jour absolument sans coup de barre, sans pointes de fatigue. Et je peux dire que là, je suis en pleine forme. Je fais mon yoga tous les jours. Je suis à la campagne, donc je vais dans la limite des règles, promener ma chienne, je tourne en rond, mais quand même 45 minutes, ça se passe bien. Donc voilà, ça, peut-être que ça permettra cette description aux gens de savoir ce que ça peut, quelle forme ça peut revêtir, qu'est-ce qui peut être surprenant. Donc pour moi, c'était cette douleur, c'était la fatigue et la fièvre. Et donc, de se préparer aussi parce que je n'étais pas prête. C'est-à-dire que j'avais bien stocké la nourriture, mais je n'avais pas faim. Mais mon thermomètre électronique n'avait plus de pile. Et je n'avais plus de pile à la maison. Les petits trucs bêtes auxquels on ne pense pas. Je n'arrivais pas à boire d'eau. J'avais beaucoup de difficultés à m'hydrater. L'eau ne passait pas, les tisanes ne passaient pas, le thé ne passait pas. Donc, j'ai fini par commander en ligne des jus de légumes. Et bien, j'avais pas la force, je vis seule, de faire mes jus de légumes. Donc, j'ai commandé des jus de légumes frais qui m'ont tout de suite été livrés. Et du kombucha sur des sites bio. Ça passait. Donc, j'ai pu comme ça me réhydrater. Commentaire. Pardon. Oui, c'est bon. Excuse-moi, j'ai une fausse manœuvre. Donc, je ne sais pas si les gens ont des questions, justement. Alors, justement, je viens de faire une manip là parce que je n'avais pas les commentaires. Et ça y est, je viens de les capter. Si vous avez des questions pour Karine, justement, c'est le bon moment. Et une chose que j'aimerais mentionner pendant que les questions arrivent, c'est que l'une des praticiennes que je connais, puisqu'elle était venue se former à la TFT avec moi, qui s'appelle Hélène Aumont, elle a étudié avec Lynn McTaggart, cette scientifique du champ, de la psychologie énergétique, qui a créé des groupes de guérison par 8. Ouais. Elle est journaliste scientifique, Lynn. Lynn McTaggart, oui. Oui. Oui, c'est une journaliste scientifique, oui. Oui. Et du coup, j'ai pu bénéficier de leur... Elle a organisé, elle a un groupe Facebook, maintenant je ne me rappelle plus de son nom, mais Hélène Aumont, vous pourrez la trouver sur Facebook. Elle a organisé un groupe de personnes qui souhaitent soutenir des malades. Et donc, ils envoient à des heures régulières, selon les demandes, des soins à distance énergétiques aux malades. Et donc, même si vous-même n'êtes pas malade, et bien, vous pouvez aider des malades au travers de ces groupes de guérison à distance. Alors, attendez, je vais vous donner le nom. Je regarde. On avait créé un groupe et j'avais une de mes clientes qui avait eu un très très grave accident de vélo. Un camion l'avait bousculé. Et j'avais créé un groupe comme ça. D'intention, comme le fait Lynn McTaggart, c'est-à-dire le groupe que j'avais initié, c'est tous les jours à 13h et à 21h, et on fait justement une intention qu'on envoie pour une personne ou un groupe de personnes. Et ce groupe s'appelle groupe intention pour 3 points de suspension. Je le mettrai, on mettra les deux. Je ne savais pas que tu avais ce groupe. On le mettra en commentaire. Et effectivement,
J'aime beaucoup les travaux de Lynn McTaggart que j'étais allée, j'avais fait un séminaire avec elle et j'étais allée la voir. L'idée, c'est qu'on prend la même intention, le groupe prend la même intention et au même moment, on voit cette intention de guérison par rapport à, sur la personne choisie. Et j'avais, lorsqu'ils ont fait ce soin, j'ai vraiment senti la différence. Je me suis posée intérieurement, j'ai trouvé une sorte de grande paix intérieure et j'ai pu partir directement en visualisation. C'était spontané, je ne l'ai pas du tout créé. Et je me suis entretenue avec le coronavirus. J'ai eu une très belle discussion qui m'a beaucoup Je trouve apaisée. ça passionnant. Vas-y. Que C'était t'as dit, passionnant Corona? parce que, en fait, il est un peu vilifié. Et donc je l'ai fait pour ceux qui connaissent façon réencodage de matrice, où on est toujours dans l'amour, la bienveillance et dans l'échange pour comprendre ce qu'il se passe. Et l'échange que j'ai pu avoir, qui est peut-être juste propre à moi, mais c'était qu'il n'avait pas conscience d'être aussi virulent, puisque tellement de personnes pouvaient ne même pas avoir de symptômes. Et je suis rentrée dans un amour infini. Il faut dire que j'avais décidé que j'étais prête à mourir, c'était très clair pour moi, donc il n'y avait pas de peur. Et je me rappelle très bien Chris Carr aux États-Unis. Chris, c'est une femme avec un K, Kris, qui a un cancer un peu orphelin, un peu connu et donc incurable. Et c'est complètement, en tout cas, elle est en rémission, guérie de ce cancer par des voies alternatives. Et puis elle stagnait à une époque. Et pour avoir vu son documentaire, pour la suivre régulièrement, je me rappelle qu'elle avait dit, ça, tout a basculé, j'ai pu enfin complètement me libérer lorsque j'ai eu une relation d'amour, même avec la maladie, même avec ce cancer. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et ça a été un grand apaisement à partir de ce moment-là de pouvoir avoir cette discussion dans l'amour avec le coronavirus. Oui, j'ai fait un live, je ne sais plus la date de ce live, où justement on a tapoté sur l'acceptation. Tu dis, j'étais tout à fait prête à mourir. Donc l'acceptation que ce qui se passe est en train de se passer. Faire la paix avec un maximum de pensées qu'on peut avoir, plutôt que d'être en résistance. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas être malade, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. S'apaiser au maximum avec un maximum de pensées pour être dans l'acceptation, la détente, le relâchement. Et effectivement, pouvoir ressentir de l'amour, de la gratitude. Oui. C'est une sorte d'abandon, mais c'est pas une démission. Mais C'est une sorte. physiologiquement, on sait qu'on produit des hormones du bonheur, hein, et de l'oxytocine, etc. Et du coup, ça va booster le système immunitaire. Exactement. Et tout comme les lives que tu fais, va faire baisser le taux de cortisol. On a toutes les études qui le prouvent. Et ça aussi permet de booster le système immunitaire. Et moi, je l'ai vu le soir où j'ai paniqué et appelé le SAMU en me rappelant que j'avais eu, il y a longtemps, hein, il y a fort longtemps, une tuberculose. Quelque part, je pense que finalement, d'avoir parlé au médecin m'avait tellement apaisée, puisqu'il semblait dire que le paracétamol pourrait faire baisser ses douleurs de poitrine, que ça a tout de suite baissé. Et je ne suis pas sûre que le paracétamol avait déjà fait effet. Alors, il y a Gérard qui dit, c'est rassurant de vous écouter et d'entendre votre témoignage. Je suis à 15 jours des premiers symptômes, toujours très fatiguée. J'ai l'impression d'être déprimée par moment et c'est Pareil. rassurant votre description. Et ça, c'est vraiment, c'est vrai que par moment, tu étais extrêmement découragée, tu étais extrêmement fatiguée, presque déprimée. J'étais déprimée, Noël. J'ai été déprimée. Oh, pardon. Et je pensais que je n'ai pas réalisé que c'était de la maladie. J'ai pensé que c'était des circonstances présentes cette année au-delà de la maladie qui me remontait. Et je pense maintenant que c'était la maladie, Ouais. Donc, effectivement. il y a des réactions du psychique par rapport à la maladie. Si vous vous sentez déprimé, très fatigué, rassurez-vous, ça fait partie du processus en fait. C'est Ouais. pas vous qui êtes bloqué, ça fait partie du processus. C'est venu me Il chercher aussi dit. dans mes organes faibles. Moi, j'ai 15 ans de traitements médicaux derrière moi, donc j'ai un foie qui est très,
très abîmé, on va dire, par les médicaments, puisque c'est lui qui traite tout ça. Et après ces 5 jours, j'avais la langue tout le temps pâteuse et j'avais encore du mal à manger. Donc j'ai travaillé avec une naturopathe hygiéniste, diététicienne à distance qui travaille par Skype. Et en ce moment, on est en train de soutenir mon foie et on a tout un programme de plusieurs mois, puisque le coronavirus est venu me chercher effectivement dans les organes qui étaient un petit peu faibles. Dans la partie ressources, on mettra les coordonnées de cette naturopathe, Patricia si Piatko, des gens qui est veulent peut-être passer. formidable. Et j'en Et les parle dans mon naturopathes. dernier livre, justement. Pour ceux qui sont en bonne santé, enfermés, qui cuisinent comme des malades et ont tendance à prendre des kilos, le dernier livre, c'est J'arrête les kilos yo-yo avec l'EFT. Et je parle aussi de Patricia Piasco dans le livre. Elle C'est est Patricia intéressante. Fiasco. Et on les mettra dans les ressources. Et je lance un appel à tous les naturopathes de ce groupe. Si vous avez envie d'aider à des tarifs solidaires des personnes qui auraient besoin, allez sous ce panneau. C'est une photo de mes mains. Il y a marqué séance solidaire, je crois. Patricia, si vous êtes atteint du coronavirus et en phase donc malade, ces séances sont gratuites. C'est son cadeau Génial. dans le C'est sa cadre de ce contribution. qu'elle a. Et pour retrouver ce genre de poste, vous sur la colonne de gauche, vous cliquez sur annonces. Et au niveau des annonces, c'est la première annonce. Là, vous allez retrouver tout ça. Dans la troisième Et phase, donc, qui est la reprise de cette semaine, pardon, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose? oui, juste je termine. Gérald qui confirme que idem pour l'eau et les tisanes, pas envie de les prendre. Et c'est quoi l'adresse du site pour les soupes et boissons bio? Alors, personnellement, parce que j'ai rencontré la propriétaire, j'avais commandé mes jus, les jus PAF, PAF, parce que je la connais. Et puis on avait fait un coaching ensemble et pour le kombucha j'ai sur quel site je l'avais parce que je commande en ce moment énormément par internet des farines sans blé, sans gluten des boissons, des légumes lacto-fermentés quel était le site sur lequel j'avais pris le kombucha? Écoutez, je vous donne plusieurs Bon, il y a noms. pas mal de questions là-dessus, Karine. Il y a pas mal de questions. Quelle méditation t'as écoutée? Qu'est-ce que tu as appris? Où tu as commandé? Tout ça, si tu veux bien. Après le live, on fera dans la partie ressources. Si tu Oui. peux nous donner tes ressources, il y en a Voilà. d'autres. Hein. C'est juste que comme c'est toi qui parles aujourd'hui, c'est toi qu'on interroge sur ce que toi tu as fait. Oui, on les mettra. Et juste oralement, donc les sites, il y a Culinaries, il y a Onatera, il y a Greenwiz, d'ailleurs qui pour les Parisiens livre des paniers bio à domicile. Mais on les mettra en ressources. Et donc ce que j'allais dire, c'est que dans la troisième phase, que moi j'appelle la reprise, donc j'ai repris le travail. Lundi, mince, ça m'est sorti de la tête. Alors voilà, ça c'est un des symptômes qu'il me reste. J'ai toute mon énergie, mais de temps en temps, j'ai des petites absences que je n'avais pas avant. C'était par rapport à manger ou boire, non, je me rappelle plus. Bon, ça va me revenir. Par rapport, qu'est-ce qu'avait dit, c'était Gérald ou Gérard? Gérald. Qu'est-ce qu'il disait que, donc, il Même avait. les tisanes et les soupes, il. Ah oui, pour la récupération, ma naturo m'avait dit de bien me faire du coup des bouillons d'os pour me reconstituer avec quelques légumes et de boire hors repas des bonnes tasses de bouillon comme ça pour me reconstituer. C'était pas ce que je voulais dire tout à l'heure, mais ça m'est sorti de la tête. Je ne sais pas, ça te reviendra probablement. Hein. Ouais. Ah oui, non, ça y est, ça m'est revenu. Merci, Loël. Ce que je voulais dire, c'est que donc, quand j'ai repris mes propres séances de thérapie et lorsque j'ai repris les séances de gens, de personnes que j'accompagne en tant que thérapeute ou coach, mon observation, c'est que grâce finalement à cette période un peu particulière et la vibration un peu particulière qu'il y a dans l'égrégore aujourd'hui en France, le travail est très profond. Moi, j'ai passé mes séances littéralement en pleurs pratiquement du début jusqu'à la fin. Bien sûr, il y avait cette fatigue, cette fragilité encore un peu latente.
mais je suis allée toucher des strates, des couches que je savais encore actives, mais qui du coup là remontaient à la surface tout de suite. Et dans mes propres accompagnements de clients, c'est souvent aussi le cas. On va toucher des choses avec des expulsions finalement. Donc profitez-en. Si vous avez le budget, vraiment n'arrêtez pas, et que vous avez l'énergie, n'arrêtez pas vos séances de thérapie ou vos échanges si vous êtes thérapeute et que vous faites des échanges, parce qu'effectivement, ça vient, c'est un grand nettoyage. Merci infiniment. Je ne vois pas d'autres questions pour toi. Il y a des gens qui témoignent. Voilà, cool. Merci pour ce témoignage, Karine. Merci, merci. Merci pour ce que vous dites avec autant d'amour, de bienveillance et d'écoute bienveillante et empathique. C'est merveilleux, plein de chou-doudou et d'amour à tout le monde. Ouais. Une chose peut-être qui me vient à l'esprit là quand en entendant chou-doudou. Lorsque donc je suis célibataire depuis un an et sans enfant, et j'ai une chienne, et à certains moments c'est vrai que l'envie de câlin, d'embrassement était très forte parce que j'allais si mal, et donc ce n'était pas nécessairement évident puisque j'étais seule et en confinement. Et du coup, c'est vrai que d'avoir un animal de compagnie, un chien que je pouvais serrer contre moi ou caresser, m'a beaucoup apaisée, mais elle n'est pas toujours conciliante ou d'humeur. Et du coup, à certains moments, vraiment, j'avais ma bouillotte contre moi. Je n'ai pas hésité à régresser avec la bouillotte, avec ma couette, et aussi finalement un peu me caresser comme pourrait le faire une maman avec un enfant malade, parce que rappelez-vous, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est, en tout cas, l'attouchement va créer de l'oxytocine et c'est très apaisant et va booster toute votre capacité à remonter la pente et à vous auto-guérir. C'est merveilleux ce que tu dis, parce que tu vois, sur quelques lives, c'est quelque chose qui est toujours en trame, de faire baisser le critique intérieur, de créer de la bienveillance à l'intérieur de soi, d'être doux, bienveillant, on fait de son mieux. On se traite parfois mal dans sa tête, et du coup c'est aussi une préparation de commencer aujourd'hui à apaiser le critique intérieur. Tu lui dis tellement bien de dire n'hésitez pas à régresser, à faire un câlin. Imaginons que vous êtes seule et que vous n'avez pas de chien et que vous n'avez pas de mari ou de femme et pas d'animaux, et prenez un oreiller. Faites un câlin à l'oreiller. Vous pouvez vous-même vous toucher, vous masser pour aider votre corps, que vous soyez vous-même un soutien à votre propre corps. Oui, puis il y a la personne qui est malade, c'est-à-dire qu'il y a celle qui est en capacité de caresser la tête, par exemple, et puis celle qui est vraiment en incapacité de même bouger. Et donc, on devient son propre soutien. Et c'est vrai que s'il y a plus une chose, moi j'ai tendance à être dans le contrôle, à pas nécessairement pleurer facilement, et j'ai aussi tendance à la fatigue, je me prends un petit thé vert et puis bim, je rempile. Et là c'était tellement violent finalement que j'ai vraiment appris, et je pouvais pas faire autrement, mais si j'étais fatiguée, et encore quand j'ai repris le travail lundi, mardi c'était le cas, si j'avais un coup de fatigue, mais tout de suite je me couchais, et ça pouvait durer seulement 10 minutes, j'étais allongée 10 minutes, paf, je revenais. C'est très fluctuant dans la journée. Et donc, j'ai appris à faire ça. Je suis fatiguée, je me pose 5 minutes, 10 minutes, je m'allonge. Je me rappelle, j'ai la chance d'avoir un jardin au soleil dehors un jour à bouquiner. Et là, les larmes ont commencé à couler, mais je me suis complètement vautrée dans mon jardin à chialer. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai acquis. Donc, profiter effectivement, comme tu dis, de cette période pour apprendre à vous autoriser à tout vivre. Et si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, n'hésitez pas à lui ficher la paix aussi, à ne pas le harceler. C'est très important que la personne puisse compter sur vous si elle a besoin. Elle vous passe un coup de fil et vous répondez présent dans la mesure de vos possibilités. Mais il y a aussi des espaces, je me rappelle un jour, tu m'avais dit, les gens sont très gentils, mais je suis sur-sollicitée.
Et tu répondais pas parce que tu avais besoin juste de te reposer. Il les reproche, oui, je t'ai envoyé un texto, tu ne m'as pas répondu. Si vous pouvez éviter, c'est quand même chouette. J'étais effectivement, c'était très fatigant pour moi à certains moments d'interagir, même par SMS et encore plus vocalement. Et des gens avec qui je ne suis pas nécessairement en contact, qui étaient beaucoup dans la sollicitude, dans l'amour, la bienveillance, mais qui tout d'un coup m'écrivaient deux fois par jour pour me demander comment j'allais. C'était beaucoup. Alors j'avais trouvé une solution à la fin, j'enregistrais une petite vidéo pour dire comment j'allais, et puis j'envoyais ça à tout le monde parce que j'avais vraiment juste la force de faire une vidéo de 1 minute et puis de l'envoyer. Et si quelqu'un me demandait des nouvelles, j'envoyais la vidéo. Pour pouvoir rester dans le lien, parce que c'est vrai que ça réchauffe le cœur, mais en même temps, j'étais beaucoup trop, trop, trop fatiguée pour pouvoir y répondre. Et par rapport à la fatigue, pour montrer aux gens comme il peut y avoir des hauts et des bas, des hauts et des bas, c'est très fluctuant et ça bascule d'un coup. Je crois que ça fait 5 jours qu'on essaie de faire ce live. C'est vrai. C'est-à-dire que le matin, Karim m'envoie un SMS et me dit: Ah, j'ai la forme, je pense que c'est bon pour ce midi, enfin pour ce 14h. Et puis à 13h, un SMS: Ah, oh, j'ai une baisse. Est-ce qu'on peut reporter à demain? Donc, comme on n'a aucune stratégie pour ces lives, je fais des lives et puis voilà. Bien sûr qu'on a reporté à demain, puis à demain, puis à demain, puis à demain, puis c'est aujourd'hui. Donc, c'est haut et c'est bas. Ne vous culpabilisez pas si ça arrive en vous disant que c'est vous qui n'allez pas bien. Ça fait partie du processus. Ouais. Et c'est vrai pour moi, à partir du moment où j'ai repris le travail, j'avais souvent un coup de barre en fin de matinée avant le déjeuner et aussi après le déjeuner. Et c'est là où le soutien des naturopathes peut être très bénéfique parce que, bon, puisque mon foie est très mal en point, j'ai dû vraiment faire très très attention et je le fais encore, comme toujours d'ailleurs, à ma manière de m'alimenter, mais justement pour gérer l'énergie. Hors de question de manger des saloperies, du sucre, du blé, enfin du blé moderne. Parce que là, je ne pourrais pas être avec vous aujourd'hui. Ça aurait été dommage. Ah Donc voilà, dans le chat, il y a Christine qui nous dit effectivement des hauts et des bas. Je confirme, difficile de répondre aux sollicitations. Donc de la douceur, de la gentillesse, de la bienveillance, de la compréhension de vous vis-à-vis de vous-même et par rapport aux personnes. Et moi, les blagues qu'on pouvait m'envoyer, pour le coup, me faisaient beaucoup rire, m'aidaient énormément, même si j'étais au milieu de la tempête. J'ai adoré, j'ai toute une collection d'au moins 100 différentes blagues ou vidéos. Ouais. Tu Ça, m'en as envoyé, elles sont trop drôles. je Tout d'un coup, Karine m'a envoyé un truc, une photo. C'était drôle. On a ri, hein? Oui, beaucoup. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout partagé. Je sais. Alors là, le Zoom que j'avais pu faire avec des thérapeutes pour leur apprendre à faire leur session en ligne, si parmi les auditeurs, il y a des thérapeutes qui n'ont pas l'habitude de travailler en ligne, on n'a pas enregistré en visio, mais on a un audio qu'il faut que je récupère d'ailleurs, mais je suis tout à fait heureuse. C'est quelque chose qui avait été fait gratuitement. Donc, tout début même avant le confinement. Donc, ça, je suis heureuse de le partager. S'il y a des gens qui souhaitent l'avoir, je sais pas quel est le meilleur moyen. On peut le mettre sur On le. fera un post, on fera un post et les gens mettront sous le post et comme ça sera beaucoup plus facile. On va Voilà. faire comme ça. D'accord. Alors, on pourra faire une ronde pour la guérison. Je ne comprends pas bien la question, Farida. Faire une ronde pour la guérison de qui? Elle veut bien les blagues aussi. Tonia qui dit je veux bien les blagues aussi. Alors, ce qu'on peut faire avant de se quitter, puisque c'est la coutume, c'est faire un peu de FT. Je vais guider un tapping, justement pour continuer à préparer son corps, préparer votre mental. J'ai pas envie de dire mental, mais préparer. Continuer à installer de la bienveillance et de la douceur, parce que ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que c'est une aide précieuse si
on sait se parler avec gentillesse, bienveillance, patience, Et être dans l'accueil. quand, et dans l'accueil, et quand ces choses-là vont émerger en nous, de pouvoir juste les accueillir. Et si on ne peut pas le traiter seul, parce qu'on connaît très bien les limites de l'auto-traitement, et je tiens une fois de plus à remercier tous les thérapeutes qui offrent des séances à des prix solidaires, ça va du gratuit à des tout petits prix. Dans le poste, il y a à peu près une centaine de personnes qui proposent des soins gratuits. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Vous avez des gens aujourd'hui pour vous aider. Il y a des naturopathes aussi, comme tu dis, qui consultent, qui donnent des consultations via Zoom gratuitement. C'est une période qui est vraiment propice pour travailler. Et l'auto-traitement a des limites évidentes. On ne le dira jamais assez. Donc, je vais le répéter. Alors, ou tu fais avec moi, ou tu fais pas, Karine, c'est comme tu le sens. Si... Je le fais avec toi. Écoutez-vous aussi si vous êtes trop fatigué pour tapoter, faites que les doigts, répétez les phrases juste en faisant que les doigts, ça peut être suffisant. Si vous pouvez faire le tapis en entier, vous le faites. Alors. Même si j'ai entendu les pires drames au sujet de ce corona, Même si j'ai entendu les pires drames au sujet du corona, et j'ai peur de l'attraper, et j'ai peur de l'attraper, je m'aime et je m'accepte. je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai peur de l'attraper, Même si j'ai peur de l'attraper, je m'ouvre à la possibilité je m'ouvre à la possibilité de tomber malade. Moi aussi. de tomber malade, moi aussi. Et si ça devait être le cas, Et si ça devait être le cas, de me faire confiance. de me faire confiance, Même si même si y a une faible probabilité que je l'attrape. il y a une faible probabilité que je l'attrape, Je suis confinée, je suis bien les recommandations. je suis confinée, je suis bien les recommandations. Mais si ça devait être le cas, Mais si ça devait être le cas, je m'ouvre à la possibilité d'accepter. je m'ouvre à la possibilité de l'accepter. Ou je l'accepte complètement. Ou je l'accepte complètement. Voyez ce que vous. Si c'est facile pour vous de dire, et même si je devais tomber malade, je l'accepte complètement et totalement. Mon corps a des ressources. Mon corps a des ressources. Mon esprit a des ressources. Mon esprit a des ressources. Je me connecte à ma sagesse intérieure. Je me connecte à ma sagesse intérieure et mon guérisseur intérieur. Je me connecte à mon guérisseur intérieur. Merci. Me connecte à mon guérisseur intérieur. J'observe toutes ces ressources en moi. J'observe toutes ces ressources en moi. Tous les jours, de mieux en mieux, Tous les jours, de mieux en mieux, je développe la bienveillance. je développe la bienveillance. Tous les jours, de mieux en mieux. Tous les jours, de mieux en mieux, Je me traite avec bienveillance et amour. je me traite avec bienveillance et amour. Tous les jours et de mieux en mieux. Tous les jours et de mieux en mieux. Je me renforce Je me renforce. et je me pacifie. Et je me pacifie. Tous les jours et de mieux en mieux. Tous les jours et de mieux en mieux. Je me fais confiance. Je me fais confiance. J'accepte ma vulnérabilité, J'accepte ma vulnérabilité. mes parts fragiles, Mes parts fragiles. mes parts désespérées, Mes parts désespérées, déprimées, déprimées. toutes ces parts de moi qui sont encore dans la souffrance. Toutes ces parts de moi qui sont encore dans la souffrance. Je me connecte à mon guérisseur intérieur Je me connecte à mon guérisseur intérieur et à ma sagesse intérieure. et à ma sagesse intérieure.
Comment tu te sens, Karine? Bien, ça me parle beaucoup ce que tu as dit. Et tu vois, lorsque je ne mangeais plus et ne buvais plus, beaucoup de personnes me disaient, il faut que tu te forces. Et je me faisais confiance, puisque en plus, Patricia Piasco, ma naturo, elle est une grande adepte du jeûne sec. Et je la connais, elle a une énergie de malade et elle fait des jeûnes secs de plusieurs jours. Donc, je me suis fait confiance et je n'ai pas forcé. Et donc, par la suite, j'ai découvert que ça boostait mon système immunitaire. Est-ce que ça m'évoque aussi, là, ce tapping, parce que je te voyais à l'écran et que j'ai beaucoup d'amour et d'affection pour toi. C'est que c'est aussi une opportunité, si cette période et si on est malade encore plus, de revenir à l'essentiel. Et donc, c'est une déclaration d'amour à mon ami Noël. Tu fais partie de mon essentiel. Merci. Merci, Karine. Je le prends. Ça me remplit tout le cœur, toute la poitrine qui fait. Et bravo pour ce que tu fais avec ces lives. Merci pour ta présence aujourd'hui. On va arrêter là. D'accord. Vous avez ce petit tapping, vous avez ton témoignage qui est vraiment très, très précieux. N'hésitez pas à mettre un pouce, un cœur pour dire à Facebook que vous appréciez ce travail-là, cette présence, et de partager évidemment si vous jugez utile de le faire. Merci, c'était un grand bonheur de t'offrir la parole sur cette tribu. Merci, si ça peut aider les gens, ça me fait plaisir. À bientôt les amis, et tapotez-vous bien, et on se retrouve demain. Alors là, je ne sais plus comment on fait pour quitter le live, mon ami. Donc, on va y aller au talent. J'imagine que c'est pas là. Attends. Là, arrêtez la diffusion en direct. On vous embrasse, on vous fait des bisous. Prenez bien soin de vous. Et voilà, et tapotez-vous bien. À demain.